Et salut à tous et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Si c'est le cas, bah, tant mieux pour vous. Je vous souhaite en tout cas, et j'espère également que vous avez été gâtés par le Père Noël. Moi, j'ai passé de bonnes fêtes, c'était plutôt sympathique malgré qu'on a passé ça en petit comité, donc strict minimum au niveau point de vue nombre de personnes tout simplement, et j'ai été relativement gâté. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un petit cadeau, comme vous pouvez le voir, je me suis acheté une borne d'arcade, un meuble complet de chez Arcade One Up. Donc Arcade One Up fait des bornes complètes à licence, donc des meubles prêts à monter et complètement plug and play tout simplement. Donc c'est sous la forme d'un meuble à peu près du style IKEA tout simplement, donc avec toute la visserie qu'elle comprend, ainsi que l'écran, les joysticks, etc., etc., le plexi et tout le bordel, ainsi que les stickers qui sont déjà bien sûr collés directement sur les panneaux en mélaminé tout simplement. Donc voilà, donc borne complète sur le thème de Street Fighter 2, comme vous pouvez le voir, donc borne à licence officielle de Capcom, donc avec le Street Fighter 2 Champion Edition, le Super Street en deuxième, et le troisième jeu, le Super Street Fighter 2 Turbo, donc jeu que j'affectionne plus particulièrement, car jeu que je possédais à l'époque sur la Super Nintendo en 1992, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, donc jeu que j'affectionne particulièrement, jeu de combat légendaire, ultime j'ai envie de dire, et voilà, que tout collectionneur se doit de posséder dans sa collection tout simplement. Alors j'ai pas uniquement acheté la borne, parce que la borne n'est pas très haute, elle fait à peu près 1 mètre, je vais pas dire de conneries, 1m50 à tout casser, pas tout à fait, un petit peu moins, 1 mètre, je sais plus exactement. Alors c'est un écran 17 pouces ou deux joueurs, hauteur de la borne, je sais pas si je pourrais vous le dire. On va faire une fois le tour inclus. Vous avez donc les trois jeux, la borne est encore emballée sous scellé, donc je vous ferai de façon une vidéo unboxing et montage plus test complet de cette borne. On va regarder à l'arrière, donc là vous le voyez, donc la borne, donc qui est juste donc illustrée donc sur le carton, donc avec les trois jeux, l'écran de 17 pouces intégré. Je ne pourrais pas vous dire la hauteur, bon bref. La borne étant petite, comme vous voyez sur le dessin, donc c'est une petite borne, vous pouvez jouer assis. Donc du coup, je me suis muni également d'un riser, d'un rehausseur, pour venir rehausser tout simplement la borne, pour pouvoir y jouer debout, tout simplement à hauteur d'homme. Donc rehausseur que j'ai également commandé, pareil, chez le même fabricant, tout simplement, donc chez Arcade One Up. Donc voilà, qui va vous permettre de venir poser, à poser votre borne d'arcade tout simplement dessus, et de la surélever pour pouvoir jouer, ben, j'ai envie de dire comme à l'époque dans les salles d'arcade, debout tout simplement, et pas sur un tabouret comme de gros feignants que nous sommes. Voilà, donc tout ça sera prochainement disponible sur ma chaîne, donc vidéo déballage, donc unboxing, montage et test complet de la borne de chez Arcade One Up. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez concernant cette borne, et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir justement la prochaine vidéo complète sur cette borne d'arcade et sur son rehausseur, disponible sur ma chaîne très très prochainement. Pensez bien à liker, à vous abonner, partager un max, et bien sûr n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour être alerté des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis à très vite les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt. Allez, ciao ciao, ciao les amis.